Bonsoir mes chers amis, que vous soyez gilets jaunes ou pas, merci de me rejoindre comme tous les soirs pour ce live d'éveil ensemble. Mes chers amis, je vous demande un instant donc pour faire apparaître ce live sur mon Facebook qui a été bloqué, mon Facebook principal, vous le savez. Là, je diffuse donc jusqu'à la fin du mois. J'espère que ça s'arrêtera la fin du mois sur ce Facebook que j'ai créé en catastrophe, mon deuxième Facebook de secours. Voilà, je vais aussi faire quelques partages. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai eu, comme tous les soirs, une petite visite. Là, c'est un profil que je connais pas. Peut-être vous le voyez actuellement, hein, c'est Jacob Inisme qui me dit, hein, cessez immédiatement la diffusion de votre live, la teneur de vos informations concernant POTUS et FLOTUS, ça veut dire que c'est le président des États-Unis et la première dame des États-Unis, porte atteinte gravement à la sécurité nationale des USA et des pays membres de l'OTAN. Des représailles peuvent nous amener à recourir à la méthode expéditive vous concernant. Donc là, c'est le troisième profil, hein, qui vient me menacer, c'est le cinquième soir de suite. Et c'est les mêmes mots, hein, parce que cette histoire de méthode expéditive, on me l'a déjà sortie. Alors, je vais vous saluer tout à l'heure, mes chers amis, parce que le programme est extrêmement chargé. Donc, je ne sais pas. Alors, comment tu t'appelles? Jacob Inisme qui me menace. Il y en aura pas que pour Obama, hein, il y aura pour tout le monde, t'inquiète pas. Tu vas voir Macron, qu'est-ce qu'il va prendre. Allez, parce que le community manager de Macron, hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, celui qui s'occupait de ses comptes sociaux, hein, c'est le métier qui s'appelle community manager. Eh bien, figurez-vous qu'il faisait partie de la Ligue du LOL. Cette ligue, cette espèce de groupe, de syndicats, de journaleux qui pratiquaient le harcèlement, hein, le harcèlement sur les réseaux sociaux, soi-disant que là, le gouvernement veut lutter contre le harcèlement. Eh bien, figurez-vous que l'ex-community manager de Macron fait partie de ces harceleurs et il a effacé en catastrophe, en urgence, 408, 400 publications, 408. Et donc vous comprenez le lien, il a un lien donc avec le fameux Ismaël Emelian qui a démissionné en catastrophe. Quand on essaye de nous faire croire que c'est des histoires parce qu'il n'arrive pas à s'entendre avec Brigitte Macron, hein, c'est toujours les histoires pour les petits contes pour petits-enfants, hein. Que Brigitte ne s'entende pas avec un tel ou un tel, ça va pas changer, ça va pas faire démissionner des gens avec des scandales comme ça et des explications hasardeuses. Voilà, il y a un lien, c'est pour ça qu'il y a ces départs précipités, hein, c'est qu'il y a ce scandale de la Ligue du LOL, la Ligue du LOL que je vous ai annoncé ici à peine le scandale était sorti, rappelez-vous. Mes chers amis, mes chers amis, ne perdons pas plus de temps. Alors, ne perdons pas plus de temps. Je vais mettre en urgence autre chose. Donc, avant de passer sur le sujet de Soros, est-ce que Soros a été arrêté? Est-ce que Obama a été arrêté ou est-ce qu'il a passé des portes donnant sur d'autres univers en Écosse ou en Angleterre? Je vais vous répondre à toutes ces questions qui omnibulent Internet et que je reçois tout le temps en masse. Je vais vous répondre sur ces questions, mes chers amis. Mais tout d'abord. Tout d'abord, regardez, donc il y avait. Alors, un instant. Regardez ce qu'il y avait à l'instant. Je vais vous mettre ça Donc là, vous voyez. à l'image. Et je vais vous expliquer ce qui se passait. Hop. Alors. Regardez, c'était un live il y a à peine quelques minutes.
Donc je mets pas le son pour pouvoir continuer à vous parler. Je vous montrerai après donc la personne qui donnait ce live. Ils faisaient un blocage à Sens, hein, Sens dans le 89. Hein, c'est Wesson Leboeuf qui faisait le live. On le regardera. Ils faisaient un blocage et le live a été coupé. Hein. Alors, est-ce que au moment de l'arrivée de la police, hein, vous voyez là l'arrivée de la police. Alors, est-ce que ça provenait des brouillards, des brouillages, des brouilleurs de téléphone portable, ou est-ce que le réseau d'un coup ne veut plus fonctionner, donc pour notre ami Wesson Leboeuf, je vais essayer de l'appeler. Je vais essayer de l'appeler pour qu'il dise un mot sur ce qui se passait. Là, vous voyez donc 150. Hein. Alors, je vais essayer de lui passer un coup de fil. Il va me falloir un instant donc pour que je mette en place. En place la caméra. Hop. Voilà, je prépare donc la caméra. Wesson, si tu m'entends, prépare-toi. Je vais pas tarder à t'appeler. Voilà, donc on va tenter un appel. J'espère que Wesson va capter par rapport à tout à l'heure. Allez, j'appelle. Allô, allô? Allô, allô? Allô, bonsoir, est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça marche? Je ne sais pas si ça a décroché ou pas. Ah, voilà, je te vois. Tu m'entends? Ah ouais, je t'entends, ouais. Ah, bah c'est cool. Bah tiens, je vais te mettre à l'antenne. Là, on va te voir. Hop, voilà, là, tu es à l'antenne. Bien, bonsoir, j'ai fait ta connaissance là sur le tas, donc Wesson Leboeuf, ravi de te recevoir dans mon live. Je te laisse la parole, explique-nous ce que vous faisiez et pourquoi ça a été coupé. Bon, déjà, ça capte pas très bien. Donc, ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on faisait, mais ce qu'on fait, parce qu'on est resté sur place. Hein. On est à Sens, sur un très grand rond-point où il y a beaucoup de camions, et on a décidé de tous les bloquer. Donc là, on est à peu près. Là, on commence à être pas loin de 100. Donc, on bloque les camions. Là, pour l'instant, on a bloqué à peu près 60 camions, si c'est pas plus. Les flics ont essayé de nous déloger tout à l'heure. Ils n'ont pas réussi, on était bien trop nombreux pour eux, on a réussi à les faire reculer, ils sont rentrés chez eux. Voilà. Donc pour l'instant, bloqué, voire plus, ça va assez loin, c'est trop loin. Très bien, ça a marché. Alors, on t'a bien entendu, on a bien compris. Moi, je me marrais quand t'as dit on a réussi à les faire rentrer chez eux. Et alors, vous comptez rester jusqu'à quand? Quel est l'objectif? Bah, l'objectif, c'est un blocage économique. Le but, c'est qu'il y ait un impact économique, c'est de mettre la pression sur les gros patrons, tout simplement. Parce que si les usines ne sont pas chargées, il va y avoir une perte considérable. L'objectif, en fait, c'est de faire perdre de l'argent aux gros patrons, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, moi, juste, voilà, mes amis me connaissent. Moi, je suis contre les blocages économiques, mais ce n'est pas l'objet de cet appel, hein. Moi, voilà, je vais relayer votre action. Je t'ai donné la parole, mais ce n'est pas l'objet de cet appel. Moi, je suis contre les blocages économiques. Je suis plutôt pour bloquer les médias, par exemple. Ça va, super. Mais si tu veux, voilà, si tu veux dire un dernier mot. Puis après, on va se quitter parce que ta communication, elle est difficile. Vas-y, Ben moi merci beaucoup, hein.
je vais être bref hein, pour conclure. Il y a beaucoup de styles d'opérations. Les blocages en général, ça me dérange aussi parce qu'on fait des citoyens lambda. Là, pour le coup, on laisse passer tous les automobilistes, donc il n'y a rien de négatif de ce côté-là. Et je pense pas qu'il faut les opérations de chacun. Chaque opération est bonne à prendre. Déjà pour montrer qu'on est encore sur le terrain et qu'on est encore mobilisé, en fait, tout simplement. Éviter à montrer axe de présence. Voilà. Bien, bon, ben déjà bravo hein, parce que les initiatives, c'est ce qu'il faut. Hein, il faut multiplier les initiatives. Bravo pour votre initiative à tous. Courage à tous. J'espère que vous serez rejoints s'il y a des gens qui tombent par hasard sur votre live, vous sur mon live à Sens. Et puis, on reste en contact. On pourra débattre tous les deux de mes idées et de vos idées. Merci beaucoup hein, d'être passé. Il n'y a pas de souci. À plus. Bon, bonne soirée, salut. Donc voilà, mes chers amis, je me remets à l'écran. Voilà. Donc voilà, ils sont actuellement à Sens. Regardez, c'était il y a quelques minutes. Hein, donc le live, je le remets vite fait à l'écran. Le live, comme vous voyez, de Wesson Leboeuf que je viens d'avoir à l'instant, que vous avez vu à l'instant au téléphone avec moi. Donc vous voyez, tout à l'heure, il y avait, on voit les forces de l'ordre, il m'a tué, il est vraiment fort, Wesson. Il m'a dit, on a réussi à les faire rentrer chez eux. Eh bien, bravo. Bravo, parce qu'en plus, tu t'exprimes bien, tu... Franchement, il n'y a pas eu. Tu es courtois, voilà, tu es très courtois, Wesson. Eh bien, merci, hein, merci pour ton passage sur mon antenne. Voilà, c'était il y a quelques minutes et puis le live s'est arrêté. Vous pouvez aller le voir si vous le souhaitez. C'est assez simple, hein, Wesson Leboeuf. Et vous aurez le live, vous voyez. Là, c'était les palettes. Et là, c'est à la fin lorsque ça avait coupé. Et bien effectivement, on voit qu'à la fin, il reste entre gilets jaunes. Allez, on va passer à la suite, mes amis, si vous le voulez bien. Hop. Donc. Alors. L'objet de ce soir, il y a beaucoup d'informations à vous transmettre. Hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais l'objet de ce soir, c'est effectivement de répondre à ces questions sur Soros. Est-ce que Soros a été arrêté? Est-ce que Obama a franchi des portes temporelles pour aller fuir dans une autre dimension parce que les Anonymous sont en train d'arrêter ou de les Anonymous, l'OPPT, l'OCCC, toutes ces histoires-là que je vous dis depuis le début, qui sont, voilà, c'est une perte de temps, c'est créé justement par les mêmes, hein, par les francs-maçons, la franc-maçonnerie, pour vous perdre, pour vous détourner hein, de la réalité, de l'objectif principal qui demeure virer ce tissu mafieux qui détient tous les pouvoirs en France, et pas qu'en France. Il détient tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir des médias, le pouvoir médiatique. C'est une mafia comme la mafia italienne, mes chers amis, mais une mafia beaucoup plus instruite. C'est une élite, c'est pas la mafia italienne qui était connue pour tenir que ce soit le circuit des recyclements des déchets ou de tout ce qui est ramassage d'ordures ou le circuit de pizzeria, hein, de restaurants italiens, etc., d'autres activités. Hein. Voilà, ici, là, cette mafia, eh bien, c'est des médecins, des avocats, tous les magistrats, hein. Après quand on monte en strat, ça devient tout le monde. Hein. Donc tous les magistrats,
tous les politiques élus, hein, que ce soit à l'Assemblée, dans les gouvernements, les présidents, etc. Dans les médias, c'est pareil, hein, tous ceux qui tiennent les rédactions, etc. D'ailleurs, voilà, à ce propos, ça me fait penser à une blague, si vous permettez, que j'ai entendue aujourd'hui, hein, qui m'a fait trop rire. Donc, j'aimerais la partager avec vous. Bon, bah là, je vois que le Jacob machin, il continue de me menacer, de me dire qu'il faut que je cesse la diffusion de mon live, sinon je vais mettre en danger la sécurité des États-Unis. Bon, bref, tiens, je vais essayer de te bloquer parce que je sais que on n'arrive jamais à vous bloquer. Peut-être là j'ai réussi. Alors la blague que j'aimerais vous dire, c'est est-ce que vous savez pourquoi pourquoi Dieu a créé les serpents avant les avocats? Eh bien, c'était pour s'entraîner. Voilà. Moi, ça m'a tué. Cette blague, ça m'a tué. Ça m'a tué aujourd'hui. Et en plus, la blague se termine en disant et le reste, ce n'est pas des blagues. Hein, toutes les autres idées sur les avocats, ce ne sont pas des blagues. C'est comme ça que se termine cette blague que j'ai vue aujourd'hui. Allez, alors je vais vous mettre un bout de cette vidéo catastrophe. Hein. C'est catastrophique parce que regardez par combien elle a été vue, cette vidéo. Regardez. Soros arrêté, Bush pareil, arrêté pour le 9, le 11 septembre. Bon, bah ça, c'est pas faux, hein. Il est coupable. Le 11 septembre, c'est un complot, mais de dire que Bush a été arrêté en secret, qu'il est, il y en a même qui disent qu'il est à Guantanamo et que Obama a peur pour sa vie. Il a passé des portes temporelles. Ah, bah là, je vous ai pas mis l'article à l'écran. Tiens, regardez. C'est pas un article, c'est une vidéo. Donc sur YouTube, hein, et il y en a des masses des vidéos comme ça. Hein. Il y en a des masses, des masses, des masses. Alors regardez ce que je voulais vous montrer. Donc cette vidéo, elle a fait, mais elle n'est pas la seule, il y en a qui ont fait des millions. Elle a fait 113 646 vues à l'heure où je vous parle. Celui qui a balancé cette vidéo, il a 157 000 abonnés, plus moi, bien entendu. 157 000 abonnés, 113 646 vues. Hein, vous voyez, 5 100 j'aime, hein, et 352 j'aime pas. Tiens, allez, un petit coup de j'aime pas. C'est incroyable, hein, et vous pouvez pas imaginer, hein, de faire des vidéos comme ça. Ça, non seulement ça génère de l'argent parce que les vues, hein, 113 000 vues, vous pouvez imaginer que peut-être que même à un centime, même à un dixième de centime la vue, ça fait un sacré paquet au bout de plusieurs vidéos comme ça successives. Hein. Donc voilà, rendez-vous compte de qui vous nourrissez. Hein. Et même sans nourrir personne, hein, c'est catastrophique du point de vue de la recherche de la vérité, parce que vous perdez votre temps à regarder ces conneries, vous les partagez comme des fous, hein, vous relayez les mêmes conneries, vous les partagez comme des fous, je le vois, hein, vous les partagez, vous êtes voilà, si vous faites pas ça intentionnellement, parce qu'il y en a qui font ça intentionnellement pour noyer la vraie information, mais si vous faites pas ça intentionnellement, c'est quand même malheureux, hein, c'est vraiment malheureux. Donc arrêtez, partagez ce qui est vérifié. Là en plus, voyez les cheveux piqués comme ça et tout, c'est un montage, hein, cette vidéo, c'est un montage. Voilà, bon bah réveillez-vous. Alors on va regarder un bout pour que vous sachiez, on va regarder juste le début qui va annoncer la couleur. Alors même si c'est en anglais, juste le début, allez. Breaking now. Billionaire financier George Soros has been arrested and is being detained in Switzerland for interrogation before being extradited to the United States, where he will face a military tribunal as an enemy combatant.
George W. Bush pleads guilty to high crimes and misdemeanors, including 9/11. Barack Obama is being detained at Gitmo, charged with high treason and begging for his life. The news is breaking fast. Reports are coming in from across the globe. And the truth is about to be unsealed. Bon voilà, c'est là déjà, bon bah j'ai mis trop de musique, hein. Ça me bloque les lives, hein, tout ce qui est musique. Mais voilà, sachez que c'est une vidéo qui fait quand même 1 heure, 1h10, hein, 1h10 de conneries. Bon, alors, il va falloir que je vous démontre que c'est des conneries. On va y aller étape par étape les amis, hein. Toute démonstration a besoin de temps, hein. C'est le fonctionnement même de la recherche de la vérité. Rien ne se fait en un claquement de doigts. Donc on va y aller étape par étape. Et je vous parlerai à la fin donc de ce community manager de Macron qui a précipité toutes les démissions que vous voyez autour de Macron parce que il faisait partie de la Ligue du LOL qui est un groupe de journalopes qui a chassé en meute sur Twitter et d'autres réseaux sociaux pour harceler pêle-mêle des femmes, des hommes, des gens. Voilà. Alors, j'aimerais donc, avant de vous montrer. Alors, donc concernant Soros, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas gardé. Attendez, mais je dois l'avoir là. Parce que Soros, il y a un article qui a été publié, donc signé de sa main. Alors je vais voir si je ne l'ai pas gardé ici parce que je vous ai gardé la preuve pour Obama. Pour Soros, je ne l'ai pas transféré. Alors, je vous demande un instant. Donc je vais vous mettre la preuve. Alors ça c'est pas ça. Voilà, je l'ai. Je l'ai, très bien. Je vous mets ça à l'écran. Donc pour tous ceux qui étaient persuadés, et vous avez été beaucoup, hein, et beaucoup de chercheurs de vérité que vous suivez, que les gens suivent sur Internet, Internet français ou étranger, hein, c'est vraiment malheureux. Hein, c'est vraiment malheureux. Donc voilà, mes amis, il va falloir... Tous ceux que vous avez déjà malheureusement non intentionnellement partagé, il faut éliminer. Hein. Lorsque vous trouvez des sources comme ça, des sources d'informations qui vous ont déjà menti, qui vous ont déjà trahi parce qu'ils ne vérifient pas avant de relayer, il faut virer les amis. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Hein. Il faut virer. Alors, Frank Chase, Motus et enfin je sais pas comment il les appelait, mais Potus c'est le President of United States, c'est pour ça que ça on dit Potus, hein. Et donc l'autre ça doit être sa femme, hein. Ça doit être la première dame, voilà. Je cherchais parce que je regardais beaucoup de choses en même temps. Alors donc l'article il est là, je vous le mets à l'écran, on va le regarder ensemble. Donc on va regarder ça ensemble, ça concerne, on commence par Soros. Donc je le répète les amis,
Hein, par exemple, les fly riders qui vous parlent de Monsieur X, qui vous disent qu'on va tous mourir si Macron y découvre avec qui il est et que la troisième guerre mondiale va être déclenchée avec une seule page de ce qu'il tient et qu'il a signé un pacte de confidentialité, etc. Vous ne pouvez plus continuer à prendre de l'information de ce type de personnage, ni les autres. À chaque fois qu'on vous a embourbé, hop, vous passez à autre chose, vous éliminez, hein. Donc regardez. Alors ça, c'est un site où donc George Soros s'exprime souvent, hein. Donc voilà, là c'est un article qu'il aurait écrit. Alors, moi, regardez, je prends toutes les précautions, hein, parce que je suis là pour démonter les complots. Alors je vais aussi parler au conditionnel. Peut-être que le complot, c'est de me faire croire à moi qu'il n'y a pas de complot. Bon, alors moi, voilà, je vous donne mon avis. Vous réfléchissez par vous-même, vous en faites ce que vous voulez, hein. Donc, voilà le site. Je vous montrerai le lien à la fin. Donc, c'est un site, encore une fois, où George Soros publie régulièrement des tribunes. Et donc, bon, ben là, ça a été traduit. L'Europe doit absolument se réveiller, et donc lui, il s'inquiète, comme d'habitude, de la poussée des Frexit, etc., des anti-Europe, de ceux que lui et ses amis appellent les fachos, les nazis, etc. Enfin, tous ceux, en gros, qui sont contre l'Europe, hein, c'est moi et vous, hein, ou vous et moi. Voilà, donc tout un article du charabia de gauchiste, voilà. Voilà, puis à la fin, donc ça a été traduit par ce monsieur, Martin Morel, et voilà, on a George Soros, qui a fait déjà 107 publications, et on a donc sa présentation. Il détient cette fondation Open Society qui est très connue, mais plein d'autres, hein, plein d'autres fondations. Voilà, mes amis. Donc ceci. Et entre autres, hein, il n'y a pas que ça, il est une preuve que Soros n'est pas du tout comme sur la photo avec les cheveux électrifiés en train de se faire arrêter. Le site, il est là, hein. Me demandez pas plus, les amis, hein. Project, vous écrivez projectsyndicate.org dans Google, normalement il vous le sort, et ben voilà, vous trouvez cette image-là. L'Europe doit absolument se réveiller, faites une recherche avec ça au pire. Voilà. Je ne peux pas répondre à vos demandes un par un, et la soirée va être longue à ce rythme-là, et j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre. Beaucoup, beaucoup. Allez. Donc là, pour George Soros, une preuve que il n'est pas en prison, à moins que on a fabriqué un article de George Soros, le 107e, hein, qu'il écrit, pour faire croire qu'il n'est pas en prison. Enfin, après, encore une fois, vous pouvez croire, hein, ce que vous voulez. Moi, je vous donne les informations comme elles sont. Vous voulez continuer à suivre ce type de vidéos et de soi-disant informations fumeuses? Moi, je ne peux pas faire plus, hein. Moi, je vous donne ma part d'information, vous en faites ce que vous voulez. Alors, avant, tiens, allez, je vais d'abord mettre, non, allez, on va passer d'abord, donc avant de traiter le souci donc de Obama, est-ce qu'il a disparu ou pas? Est-ce que sa femme est un We're homme ou entering an pas? era in which our enemies can make it look. Est-ce que Obama est gay ou pas? J'aimerais d'abord vous montrer ça, c'est extraordinaire. J'étais plié de rire tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent pas, c'est passé dans complément d'enquête. J'étais plié de rire. Regardez ça. Ça concerne donc entre autres Obama, mais il n'y a pas qu'Obama. La séquence qui m'a tué, c'est la séquence. Alors, je ne sais pas si on me voit à l'écran. Voilà, la séquence qui m'a tué de rire, c'est la séquence avec le pape. C'est juste magnifique, c'est juste magnifique.
ce qu'on lui a fait faire. Alors, j'ai oublié de vous montrer, hein, vous voyez, le matériel, hein, la classe, le matériel qui va être installé, et pas que ce matos-là, hein. La classe, les amis, regardez, un vrai micro. Je vais peut-être me débarrasser de ce gros machin que j'ai sur la tête, hein, qui est lourd, hein, parce qu'il me fatigue à la fin de la soirée. Donc voilà, un beau micro pour bientôt, les amis. Non, je sais pas, on le voyait mieux là, voilà. Un beau micro pour bientôt, les amis. Alors, on va regarder donc l'article que je voulais vous montrer. Alors, vidéo, Obama insulte Trump, le pape fait de la magie, complément d'enquête explique les deepfakes. Alors, les deepfakes, à la différence des fake news, c'est de la modification avec de la technologie, enfin, en gros avec Photoshop, etc., de la modification de vidéos ou d'images, mais plus des vidéos. C'est tellement bien fait que c'est presque imperceptible, hein, parce que c'est des techniques, vraiment les dernières techniques informatiques. Et donc là, vous allez en voir la preuve dans cette vidéo. Donc voilà, de toute façon, il y a un commentateur qui va vous expliquer exactement ce que vous allez voir à l'écran. Allez, mes chers amis, et vous verrez la séquence. La séquence, les amis, avec le pape, c'est juste de c'est juste une belle tablette de chocolat au lait. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Ces mots, Barack Obama ne les a jamais prononcés. C'est l'acteur américain Jordan Peele qui les a mis dans la bouche de l'ancien président des États-Unis. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust. Cette vidéo est un deepfake, une falsification de l'image high-tech, un nouveau phénomène qui se répand sur Internet. And hello, America. Yesterday, we all made Donald Trump the 45th president of the United States. Hooray, we did it! Only blah blah blah, bing bang boom. Les amateurs de cinéma ont transformé l'acteur américain Nicolas Cage en James Bond Girl. Oh. Ou en Harrison Ford dans Indiana Jones. Des miracles qui ont même révélé des talents insoupçonnés au pape François. En direct sur CNN. De l'humour, mais aussi un risque de manipulation. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. Cette nouvelle technologie a le pouvoir d'amplifier considérablement les fake news. À quoi ressemblera le monde quand n'importe qui pourra faire un faux et qu'en plus chaque image pourra être remise en cause? Ces deepfakes sont réalisés grâce au progrès foudroyant de l'intelligence artificielle et surtout au deep learning, l'apprentissage profond. Une technologie qui exploite des algorithmes, des neurones informatiques pour imiter le fonctionnement du cerveau humain. En Chine, l'agence de presse de l'État a déjà mis au point un journaliste virtuel capable de présenter le JT. Aux États-Unis, des sites d'information publient des articles entièrement rédigés par des ordinateurs. Une révolution dans le monde des médias. Les machines sont-elles en train de prendre le contrôle de l'information? Comment la technologie peut-elle nous influencer?
Voilà, mes chers amis, vous avez vu, hein, c'est bluffant. Le pape, le tour de magie de pape, du pape en direct sur, sur CNN, c'était, c'est absolument fabuleux. C'est fabuleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Alors, je vous ai montré ça. Donc ça, c'était pour la partie manipulation. Maintenant, je vais vous montrer la preuve que Obama n'a pas passé des portes temporelles ou n'est pas emprisonné quelque part. Donc on va y aller étape par étape. Et après, on va glisser donc sur Michelle. Est-elle un homme ou pas? Leurs enfants sont-ils leurs enfants ou pas? On va y aller. On va y aller, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà, quoi de plus simple pour vérifier si Obama est parmi nous ou ailleurs que d'aller voir son compte Twitter, mes amis. Il faut vérifier avant de vous fier à n'importe quelle information. Il faut vérifier. Donc là, voilà, regardez, Obama nous a montré une photo comme quoi il vient de fêter la Saint-Valentin. Vous voyez, datée du 14 février hein, d'aujourd'hui. Alors c'était un peu avant hein, 19h32, mais là c'est le décalage horaire. Je vous le précise, hein, comme pour ceux qui ont cru voir dans le tweet de Macron qui est arrivé, enfin qui est noté quelques heures avant l'attentat de Strasbourg, il s'agit bien souvent de décalage. Voilà, décalage par rapport à Twitter États-Unis, Twitter France, etc. Si en plus ces community managers se baladent partout. Alors, donc vous voyez, là, nous avons Obama qui dit joyeuse Saint-Valentin pour la plus pour l'extraordinairement intelligente, belle, rigolote, la seule et unique, Michelle Obama. C'est vrai, she does get down to Motown, c'est une expression, alors on va voir, elle descend à Motown. Bon, alors la fin. La fin, ça doit être une expression. Ok. Donc ça, pour Obama, qui... Après, effectivement, vous pouvez toujours imaginer que ça a été fait exprès pour faire croire qu'il va bien, etc. Alors, ce que je voulais... On va traverser vite fait hein, son compte, hein. Il s'est exprimé donc pas mal le 13, le 11. Je voulais vous montrer ça. Donc là, il a retweeté sa femme, Michelle Obama, et qui a été une invitée surprise, comme d'habitude, hein, au Grammys Awards. Donc voilà, une petite vidéo photo. Ok, là. Il y a Jennifer Lopez et puis bon bah les autres manipulatrices. Je ne vais pas m'amuser à chercher leur nom. Je voulais vous montrer donc une photo pour que vous sachiez, donc c'est pas une fausse photo. Voilà, regardez cette photo. Barack Obama et Michelle. Alors cette photo, j'ai pas noté la date, mais c'est je crois 1982, les amis. Mais de toute façon, on va aller dans d'autres articles. On va aller dans d'autres articles après, vous verrez, on tombera sur la date. Donc je me suis amusé comme beaucoup hein, à regarder ce qu'il y a écrit dans ce journal qu'il tient dans la main, donc avec Michelle. Ça, c'est une photo que Obama a mis, hein. Donc c'est une photo qu'ils ont choisie. Hein. Donc là, vous pouvez voir ici, Gorbatchev asks, hein. C'est à l'époque de Gorbatchev. Alors j'ai cherché,
n'y a pas grand-chose d'intéressant dans cette page-là qu'on a l'impression qui est montrée exprès. Voilà, donc ça c'était pour cette photo. Qu'est-ce que je voulais... Donc voilà, après, je n'ai pas vu autre chose d'intéressant. Voilà, bon, après, je vais vous faire passer donc l'information, donc l'article suivant. Hop. Donc ça c'est OK. Alors. Donc ensuite, voilà ce que je vais vous montrer. Donc regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. J'ai peur pour le son. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un autre son par-dessus en espérant que ça arnaquera l'intelligence artificielle. Donc, je vais mettre mon son, un de mes sons. Et regardez un peu cette vidéo. Donc c'est chez Ellen DeGeneres, hein, on l'invente pas, hein, Ellen DeGeneres, hein, qui fait la promotion bien entendu du féminisme, du lesbianisme, qui a un show très suivi aux States. Alors est-ce que je suis qui est à l'écran? Voilà, c'est moi qui suis à l'écran. Je vous mets ça. Regardez, c'était chez Ellen DeGeneres. Alors je vous mets, je vais essayer de mettre par-dessus quand même une bande son. Je vais baisser un peu le volume pour pas vous casser la tête. Voilà, allez, on regarde. Donc là, c'est mon son. Et je vous mets donc la vidéo. Michelle Obama and Ellen DeGeneres had themselves an uptown funk dance party on Ellen's show. The First Lady was so enthusiastic, her microphone fell off and the group had to start the dance over. Michelle Obama was promoting the fifth anniversary of her health and fitness campaign called Let's Move. She announced that at this year's White House Egg Roll, the So You Think You Can Dance All-Stars will teach a dance to uptown funk. To get everyone excited for the event, Michelle and Ellen showcased the choreography alongside the So You Can Think Dance dancers. Ouf, bon, mes amis, alors pourquoi je vous ai montré cette vidéo-là? Parce que les théories sur Michelle Obama, donc homme ou pas homme, s'appuient beaucoup hein, sur cette vidéo-là. Hein. Et voilà, moi je vais vous donner mon avis. Hein. Pour moi, il y a une utilisation malhonnête. Hein, donc de cette vidéo, parce que effectivement eux ils voient là un sexe masculin, ils ont fait des arrêts, je vous montrerai les images, ils voient là un sexe masculin, sauf que si vous regardez, si vous avez bien regardé la vidéo, c'est les plis, hein, les plis de son vêtement, hein. Donc là c'est des plis, hein. Ça ne reste pas en l'état, elle bouge et ce pli là il disparaît, hein. Mais regardez, même vous avez d'autres plis qui se forment. Pour moi, c'est clair et net. Hein, j'ai bien regardé. Et vous aussi. Alors, est-ce qu'on peut la voir de face? Regardez, là, il s'enlève le pli. Hein, quand elle lève l'autre jambe, est-ce qu'on peut la voir plus près? Là, vous voyez, là, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, le pli s'enlève. Hein, je vais couper le son.
On va essayer de la faire défiler un peu. Vous voyez, là on voit bien à la fin. C'est, on voit, elle se baisse, les plis se forment, à droite comme à gauche. Elle bouge, les plis se forment. Voilà. Là pour moi c'est clair et net. Il y a eu une utilisation malhonnête d'images arrêtées. Après, quand vous arrêtez l'image, vous pouvez, voyez, les plis se forment, ils se déforment. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, faire apparaître des sexes là où vous voulez. Même j'ai vu à la fin, est-ce que j'arrive à choper l'image? Parce que là aussi, on pourrait imaginer, si on veut délirer comme certains. Alors, est-ce que j'arriverai à la voir? Non. Ça va être difficile, tiens, regardez. Là, on peut imaginer, pourquoi pas, un sexe carrément aussi éloigné. Bon, alors, ça, je vais vous montrer maintenant, donc, ce qui s'appuie beaucoup sur cette vidéo qui voit un sexe. Je vais vous mettre ça donc à l'écran. Alors, regardez. Et après, je vous montrerai aussi, il y a quand même quelque chose d'extrêmement troublant. Donc, c'est le site des conservateurs. Enfin, c'est pas forcément le site officiel, mais c'est un site qui se dit conservateur. Voilà, je vous mets ça. Mais il n'y a pas que. Vous verrez que cette photo, je vais vous mettre une vidéo après qui va vous donner 5 raisons, soi-disant, pour qu'elle soit un homme. C'est repris. Donc voilà, on reprend là, c'est d'autres photos, mais on reprend toujours la même idée. On voit qu'elle a des sexes masculins un peu partout. Et là, il y a aussi la main, malheureusement, des retouches. Après, effectivement, moi je vous montre les choses, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, alors j'aurais pas dû cliquer là-dessus. Alors, je vais vous montrer, vous verrez, il y a une vidéo qui reprend les 5 éléments qui poussent à croire que Michelle Obama serait donc un homme. Un transsexuel plus exactement, je vous dirai moi avec quoi je suis à l'aise et avec quoi je ne suis pas. Donc là, tout ce que je vous ai montré, absolument pas à l'aise, ça se voit que c'est de la fabrication, ça se voit que c'est du maquillage, ça se voit que c'est un travail malhonnête d'arrêt sur image. Donc pour la petite histoire, donc là on est sur le même site. Regardez, pour la petite histoire, il s'intéresse beaucoup à Michelle Obama. Regardez ça. Alors, regardez ça, les amis. Donc c'est ce que Michelle Obama avait inauguré comme cette stèle, parce que 5 générations dans sa lignée, d'après ce qu'ils disent, ces gens-là mentent beaucoup, attention. Donc si on en croit la stèle et l'histoire officielle, c'est que cette femme, Melvina Shields, qui a vécu entre 1844 et 1938, et 5 générations, enfin Michelle Obama et sa descendante 5 générations après. Et alors pourquoi cette Melvina Shields refait surface? C'est parce que, là c'est écrit en anglais,
Elle est née esclave dans la Caroline du Sud en 1844. Et à 6 ans, elle a été donc emmenée pour travailler dans les champs, dans Géorgie. Et sa femme a enduré, sa famille, pardon, a enduré donc 5 générations, a attendu 5 générations pour voir cette descendante devenir première dame des États-Unis, donc Michelle Obama. Alors, ça, c'est pour la petite histoire. La stèle existe vraiment, hein. Maintenant, l'histoire, vu que ces gens-là maquillent beaucoup les histoires, hein. Les pyramides d'Égypte et toutes ces conneries-là, comment s'appelle l'autre, Jeanne d'Arc, hein, ils sont très forts, hein, pour raconter des contes de fées. Alors, maintenant, on va passer à une vidéo donc qui va vous plaire parce que, d'après le créateur de cette vidéo, donc voilà les 5 raisons qui lui font croire que Michelle Obama est un homme. Allez, on va regarder. Donc vous verrez, hein, vous verrez une photo, une capture de la vidéo que j'ai pris soin de vous montrer avant toute chose. Hein. Vous comprenez maintenant la raison pour que vous voyez, lorsqu'on vous fait une vidéo où vous savez qu'il y a du fake dedans, on va avoir plutôt tendance à ne rien croire de la vidéo. Alors, je vous montre comme d'habitude, hein, malheureusement, il faut le voir, il faut le constater, que ce type de vidéo a un très très grand succès, hein. Moi j'aimerais, hein, je veux dire, passer mon message sur la franc-maçonnerie à autant de monde. Donc regardez, 1 307 161 vues, 14 000 abonnés. Hein, là vous imaginez 1 million de vues, 1 300 000 vues. Vous imaginez si vous partez à 1/10 de centime, la somme phénoménale d'argent que ça peut représenter si vous faites tout le temps des vidéos similaires. Hein. Allez, on va regarder. C'est en anglais, mais c'est compréhensible, les amis. Here are the top 5 reasons that Michelle Obama is actually a tranny in disguise. Number 5. She looks like a man. Michelle Obama has been noted by many people to seem to have a masculine body. Some common talking points include her arms and neck muscles are far too muscular for a female, her body proportions and head-to-shoulder ratio fit those of a man rather than a woman, and so too do her respective finger lengths. These are all reasonably accurate ways of identifying someone's gender. Several different ab movements to challenge the abs in different planes, so it's real important to add symmetrical strength by using different planes. Number 4. Joan Rivers' suspicious death. Joan Rivers was a comedian who joked about Michelle being a quote-unquote tranny during a live interview. A couple of months later, she went into the hospital for a minor throat procedure and came back dead, presumably from a lack of oxygen. This hasn't stopped people from theorizing that there was foul play involved and that Michelle and President Obama had her murdered in order to suppress the idea of Michelle being a man from the mainstream. You know Michelle is a tranny. I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh. Number 3. She has a bulge. Voilà mes chers amis, alors 2 informations, là vous rappelez, c'est la vidéo où elle dansait chez DeGeneres, vous voyez leur malhonnêteté intellectuelle, c'est ce que je viens de vous démontrer, hein. Ils ont arrêté l'image qui les intéresse, ils se sont focalisés sur les plis, et en plus en agrandissant, en pixelisant, parce que vous voyez l'image n'est pas très nette, en pixelisant, regardez ce qu'ils arrivent à, carrément à sortir. Hein. Alors par contre, mes chers amis, ce qui vient de précéder, par contre, ça c'est extrêmement troublant. Moi je m'appuierai uniquement là-dessus donc pour dire ce serait le seul élément d'après moi qui me fait dire qu'il y a peut-être anguille sous roche, ça c'est de la connerie, hein. Donc forcément j'aurais tendance à jeter toute la vidéo, y compris toute la théorie. Mais quand même, je reviens sur ça parce que ça, c'est extrêmement troublant.
Regardez bien ce qu'elle dit, cette femme, je vous montrerai après qu'elle est vraiment morte. Hein. Qu'elle est vraiment morte. Bon, elle était très âgée, hein. Mais regardez ce qu'elle disait. Donc elle disait Obama est un transsexuel et vous le savez. Et le mec lui redemande, ah bon, redites-moi ça. Et elle dit, c'est un transgenre, un transsexuel. Regardez. Had her murdered in order to suppress the idea of Michelle being a man from the mainstream. You know Michelle is a trans. I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh. Number three, she has a bulge. On the Ellen DeGeneres show, Michelle Obama appeared one time to dance Uptown Funk. Unfortunately for her, she chose to wear some tight white pants, and some viewers noticed something rather unsettling. People soon unearthed other photos with Michelle and her alleged bulge, and though her supporters claim there were folds in the fabric, one cannot deny that a trend of these photos does certainly exist. Right there again. There you go, look at that. Wait a minute. Uh-huh, your cup ain't tight, Michelle. Number two, lack of evidence of pregnancy and birth. Though there are photos of Barack Obama holding a newborn girl, there has been no photographic evidence of Michelle Obama's pregnancy or of her being at. Donc là, ce qui est dit, c'est que on voit pas qu'elle est enceinte. Hein, c'est ils disent qu'on voit pas vraiment Michelle Obama avec un ventre bombé. On a aucune photo d'elle enceinte. Mais vous avez vu, hein, mes chers amis, le gros canular juste avant. Hein, je suis désolé. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Hein, je voulais démontrer avant. Que là, ils ont joué avec les images comme ils voulaient. C'est vraiment... ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Hein. Uh-huh, your cup ain't tight, Michelle. Number two. Lack of evidence of pregnancy and birth. Though there are photos of Barack Obama holding a newborn girl, there has been no photographic evidence of Michelle Obama's pregnancy or of her being at the birth at all. Michelle also has not produced any birth certificate under her female name, and some alleged photographs of her as a child do exist, though the resemblance is certainly questionable. And number one, Obama is gay. There have been numerous accusations against Barack Obama that he is a homosexual, and that Michelle really is a man called Michael Robinson. Among others, the most notable accuser has come from a Colorado man called Larry Sinclair, who claims that he had had numerous Sinclair. The accuser has come from a Donc voilà, révélation, d'après donc d'après tout le monde, hein, d'après cette vidéo, voilà la photo à la base en homme de Michelle Obama. Alors, moi, alors est-ce que c'est elle? Moi, je ne le crois pas. La photo d'elle, on l'a vue, hein, on a vu des photos jeunes, elle n'était pas aussi bouffie. C'était même éloigné hein, de ce visage là. Voilà, ce que moi je garde, la seule chose, mes chers amis, troublante, c'est cette femme hein, qui a dépassé quand même les 80 ans, qui est, après avoir dit que Michelle Obama est un transsexuel, est décédée et morte rapidement. Je vous montrerai après. Hein. Là donc, ils vont spéculer sur l'homosexualité d'Obama en montrant un discours de quelqu'un qui assure avoir eu une relation avec Barack Obama. A notable accuser has come from a Colorado man called Larry Sinclair, who claims that he had had numerous drugged-up gay sexual encounters with Obama, then a senator, in 1999. As well as this, there is a further accusation that Obama had murdered another of his gay lovers named Donald Young. And why is it that Obama has called Michelle Michael multiple times during speeches? Will we ever find out? Which of the 36 genders, if any, is this Michelle Obama? Let me know what you think in the comments. Just expect to be potentially murdered. Have a good day. Ask me why I had not asked Senator Obama to disclose the sexual encounters I had with Mr. Obama in 1999. I was shocked as I had never mentioned to the campaign or anyone working for the campaign any sexual encounters
as my call was prompted by drug allegations only. Most of all, Admiral Mullen, Deborah, Michael, and I also want to acknowledge your son Jack, who's deployed. Donc voilà. Alors ça, c'était pour Michel. Je vois que Stéphane Collin, tu es encore venu, hein, tu es très agressif, je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu passes, alors je vais lire tes commentaires. Pourquoi vous perdez votre temps avec ça? Tu mets une image de quelqu'un qui n'est pas... Enfin, tu as quel âge, Stéphane, hein? Je renvoie tes cheveux blancs. Hein? Tu as mis un émoticône, hein? Je vais garder la capture. Je me demande, tu as quel âge, hein? Puis pour des... C'est toujours les mêmes gens qui vont dire... Il faut pas embêter les autres, il faut s'unir, il faut pas... Et des gens comme ça qui viennent faire les trolls, viennent mettre la zizanie, se moquer. Si ça aurait été un jeune, je veux bien, mais tu as quel âge, Stéphane Collin? C'est ridicule ce que tu fais. Donc après tu mets bizarre, on voit qu'il y a des personnes qui sont intéressées parce que... Franck, il dit, Franck Chase, il dit, on voit bien les retouches. Hein. Moi, c'est pour décrypter, hein, les manipulations des fake news. Toi, tu es quand même un sacré morceau. Hein. Et à la fin, tu dis, bonne soirée, comment perdre son temps sur des problèmes bien réels et très graves. Bon, bah, heureusement que le ridicule ne tue pas. Alors, je vais pas effacer tes commentaires, je vais te laisser, à mon avis, les effacer seul. Et je ne vais pas te bloquer, je vais te laisser, je vais pas t'enlever de mes amis. Voilà, je pense que tu t'es ridiculisé tout seul, mon grand. Ce n'est pas de ton âge, hein, ce que tu fais. Tout ça parce que tu n'es pas content du fait que je dis que se perdre dans des histoires de Khazar et que sais-je, moi, d'autres théories sur la franc-maçonnerie infiltrée, etc. Tout ça pour pas dire, pour pas s'occuper de ce qu'il y a aujourd'hui, parce que là aujourd'hui, moi je vois pas de Khazar sur des chevaux, hein, toutes ces théories là, et puis donne-moi tes sources, hein, tu parles beaucoup. Tout ça pour pas appeler un chat, aujourd'hui il y a la franc-maçonnerie, moi je m'en fous, je l'excuse pas, la pauvre franc-maçonnerie, elle a été infiltrée par Pierre-Paul Jacques, par le Khazar, ou que sais-je, je m'en fous de ça. Ça, c'est ta théorie à toi, c'est à peu près la théorie de beaucoup de personnes. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je sais que la franc-maçonnerie rend tout le monde fou avec ces histoires-là. La franc-maçonnerie utilise les juifs pour se cacher derrière eux, pour les faire passer, eux, pour ce que la franc-maçonnerie est, pour les faire passer, eux, pour les instigateurs des complots. Je sais que la franc-maçonnerie fait la même chose avec les musulmans, pour les faire passer, eux, pour les terroristes, alors que c'est elle qui fabrique, qui monte les attentats. La franc-maçonnerie fait la même chose avec les catholiques, elle les fait passer, eux, pour des pédophiles, hein, en attaquant sans cesse l'église, les prêtres, parce que la franc-maçonnerie détient, je vous le rappelle, tous les pouvoirs, et particulièrement le pouvoir médiatique, hein, il parle sans droit de réponse, et donc la franc-maçonnerie s'attaque tout le temps à l'église avec des soi-disant affaires de pédophilie qui sont improuvables, qu'il n'y a pas de procès, c'est des gens souvent morts, et des accusateurs souvent sans aucune preuve, encore une fois, et... Alors que la franc-maçonnerie, ben, je veux dire, c'est plus un secret. Il y a plein d'affaires de pédophilie qui pèsent sur des francs-maçons. Regardez le témoignage des enfants du juge Roche. Je veux dire, c'est tout est dit, hein, dans le témoignage des enfants du juge Roche qui a été suicidé. Peu importe, un juge à la cour d'appel. Tout ça en marge de l'affaire Patrice Allais, il y a eu plus de 250 disparus quand même, 250 disparus. Donc voilà, ça pour la petite parenthèse. Si ça vous amuse de continuer à vous disperser, à chercher
En plus, vous donnez de quoi nous faire taper sur les doigts par les manipulateurs en vous obstinant dans des voies comme les Illuminati, des voies comme plein d'autres théories hein, qui sont des voies de garage, justement pour détourner, hein, détourner de la réalité de l'ennemi. Hein. Vaut mieux simplifier. La réalité, elle est simple, hein, malheureusement. Il y a la franc-maçonnerie qui crée beaucoup d'histoires, beaucoup trop d'histoires, justement pour que les gens à la fin soient perdus et qu'ils les prennent au final pour un, comme vous voyez les médias, pour un espèce de club, des différents clubs un peu partout de philosophes comme ça qui prennent un café, je sais pas, ou un whisky coca et qui parlent de la vie, vous imaginez un hein, Mélenchon assis avec François Hollande, assis avec plein d'autres francs-maçons, magistrats, journaleux, rédac-chef, gradés de l'armée, de la police, qui parlent des belles voitures, hein, parce que ça, ils utilisent beaucoup cette couverture aussi, les clubs d'amateurs de bagnoles, etc. Qui parlent de belles jantes, de beaux moteurs bien ruminants, qui parlent de la vie, qui parlent de l'existence, qui récitent des citations, etc., qui lisent du Voltaire. Bon, vous pouvez croire à ça. Vous pouvez croire à ça. Allez. Donc voilà, Gilbert, c'est bien ce que tu dis. Tu dis, je suis avec Mehdi, je ne suis pas un troll, je suis Gilbert Chabrol. Je vais te faire envoyer ma carte d'identité si tu veux. Je vais demander à t'envoyer aussi mon numéro, à envoyer la carte d'identité ou mon numéro de téléphone. C'est vraiment, il a un problème, ce pauvre Stéphane Collin. Je l'ai défendu au début, hein, j'ai parlé de lui, je l'ai défendu parce qu'il s'est fait censurer par un groupe, je ne sais pas lequel exactement, mais un des groupes concernant les Gilets jaunes. Je l'ai pris dans mes groupes Messenger. Il était obsédé uniquement par faire la pub de ses lives et par cette obsession Quasar, 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 c'est une obsession chez lui, hein. Les Quasars, la mafia Quasar. Il faut s'unir, les gars. Il faut mettre dans vos poches l'ego. Hein. Il faut être humble. Hein. Il y a des personnes qui sont vraiment connues, hein, je vous assure, hein, avec lesquelles je suis en contact, qui sont très très humbles. Il faut redescendre, hein, mon gars. Il faut redescendre. Bon, allez, là, c'est sûr que moi, bon, ben, je vais pas jouer ton jeu. Donc, tu viens sur mes lives, tu sors. Tu t'en prends en plus à plusieurs personnes parce que là, tu as des histoires avec tout le monde, y compris avec Gilbert Chabrol à l'instant. Tout le monde est troll pour toi, mais toi, tu es bien. Voilà, bon, bah, tu as réussi à interrompre mon live. Va et ne reviens jamais. Hein. Je t'oblige pas à venir sur mes lives ni sur mon Messenger. Pars et ne reviens jamais. Allez. Donc, ce que je voulais ensuite, bah tiens, la femme donc qui est décédée et donc qui a fait cette déclaration tonitruante disant que Michelle Obama est un transsexuel, un transgenre. Voilà. Donc, c'est elle. Elle est vraiment décédée en 2014. Mais il faut aussi spécifier qu'elle avait 81 ans. Moi, franchement, sur la vidéo, elle avait l'air en forme. Hein. Elle est bien conservée. Elle est bien suivie en plus médicalement parce que enfin, elle est bien refaite avec la chirurgie. Donc, elle ne doit pas avoir de soucis pour aller voir un médecin.
très rapidement, hein, c'est Johann Alexandra Molinsky, connu sous le nom de Johan ou Joan Rivers, est une actrice et animatrice de télévision américaine. Donc elle est morte le 4 septembre 2014 à New York. Donc elle est vraiment morte. Ils ont essayé. Apparemment, c'est pour eux, c'est une mort naturelle. Donc voilà. Elle a fréquemment recours à la chirurgie esthétique. Donc regardez ça. Regardez ça. Je me suis... Voilà, ça c'est important, regardez mes chers amis. Le 28 août 2014, Johan Rivers est opéré des cordes vocales par un médecin de l'Upper East Side. Durant l'intervention, elle est victime d'un arrêt cardiaque, donc c'est pas si naturel que ça. L'actrice est transportée au Mount Sinai Hospital, où les médecins la plongent dans un coma artificiel. Le State Health Department, le département de la santé, l'équivalent du ministère de la santé en France, lance une enquête à la suite de sa mort déclarée le 4 septembre 2014. Voilà, ça fait un peu penser à beaucoup de morts comme ça. Que ce soit les grands chefs d'État qui viennent mourir en France, que ce soit d'autres, hein. En dernier, Johnny, hein. Moi j'avais l'information, Johnny n'est pas mort le 4 décembre, hein. Moi j'avais l'information sur sa mort quand il a été à la clinique à Neuilly, hein. Pour moi j'avais déjà l'information qu'il était mort, hein, à la clinique. Après, il y a eu toute une orchestration, voilà, là je vous balance un scoop. Il y avait toute une orchestration, comme quoi il est sorti, que tout va bien, on ne l'a pas vu sortir, hein. C'est des vieilles photos qu'ils ont montrées. Hein. Mais il était déjà mort à l'hôpital, et ils ont orchestré comme quoi il est sorti, il va mieux, il est sorti, il va mieux, et puis après, hop, il est mort. Enfin, je veux dire, faut pas sortir les gens aussi pour qu'ils aillent mourir sans être transportés en urgence à un hôpital, qu'ils meurent comme ça chez eux. Pourquoi aller à l'hôpital quelques jours avant? À quoi ça sert les hôpitaux si c'est pour sortir de l'hôpital et aller crever chez soi? Donc voilà, Johnny était mort. Pour ceux, on vous raconte n'importe quoi. Ceux qui sont sortis, qui sont partis, ou qui commémoreront tous les ans le 4 décembre, si je me trompe pas, si c'est pas le 5, mais corrigez-moi si je me trompe, qui vont commémorer à l'infini une date qui est fausse, une date qui est fausse. J'ai même mis le tweet qu'il était mort, vous pouvez trouver sur mon Twitter, qui vous sortira la date exacte de sa mort. Je ne préfère ne pas m'aventurer, mais c'était lorsqu'il était hospitalisé à Neuilly. Pour ce qui concerne Johnny, hein. Ils ont l'habitude, hein, nos manipulateurs, de maquiller les dates de mort. Et effectivement, il y a beaucoup qui rentrent pour se faire soigner, ils sortent pas vivants, hein. C'est quand même troublant. Ça me fait penser aussi, bon bah lui il est pas rentré, mais il y a un médecin qui s'est bien occupé de lui, un Michael Jackson, hein. Ils se sont bien occupés de lui aussi. On a souvent les cas comme ça, il y a un rappeur, il est tombé sur son genou, il a eu mal au genou, il a laissé plein de messages d'audio à ses amis, à tout le monde, en disant la CIA va me faire la peau, parce qu'il a dénoncé les Bush, la famille Bush, par rapport au 11 septembre, et il s'est fait mal donc un genou lors d'un concert. C'est rien du tout, il a pris
quelque chose de l'équivalent, vous savez, de ce que vous avez tous, qu'on a tous, un antidouleur, l'équivalent d'un doliprane. Il s'en est parmi, hein, sa mère l'a vu crever, hein. Il s'en est parmi. Donc voilà, toujours les mêmes derrière, hein, tout ce qui est secret, tout ce qui est... alors voilà, ça, maintenant mes chers amis, moi je vous ai donné pas mal de données donc sur cette histoire des Obama. Faites-en ce que vous voulez, moi je garde mon avis. Je pense en plus que vous vous en doutez un peu de ce que je pense, parce que au vu des éléments que je vous ai montrés, il y a quand même pas mal de magouilles, de malhonnêteté intellectuelle qui n'ont pas lieu d'être, hein. Si il faut pas, faut faire un travail honnête, alors pourquoi ça fait ça? Faut faire un travail honnête de recherche de la vérité. Rien ne sert de maquiller. Rien ne sert de maquiller. Alors ça, c'était. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je vous le montre? C'était une manipulation. You think this is fun for me? You think I'm having fun? Well, it certainly wasn't much fun defending your ex. C'était une manipulation. C'est une manipulation. Bon, bah, pour faire de la lumière, encore une fois, à Michelle Obama. Je vais vous montrer ça parce que Michelle Obama veut nous faire croire que elle a rien préparé et elle nous montre gentiment des SMS échangés avec sa mère. Donc voilà, là c'est quand elle était présente à ce fameux Grammy Awards, hein, comme Céline Dion. Ces gens-là, lorsqu'ils vont faire leur pub politique, ils y vont toujours par hasard, incognito soi-disant. Regardez ça. J'ai insisté pour laisser jusqu'au bout, hein, tous ceux que vous avez vus, hein, font partie, appelez-les comme vous voulez, parce qu'il y a différentes dénominations, différentes loges, mais font partie de la franc-maçonnerie, hein, vous pouvez pas, c'est vraiment, vous vous laissez utiliser, hein, ou alors y a, si après ça vous convient plus, ils vous éliminent, hein, donc c'est le système, vous ne pouvez pas accéder à la célébrité, aux merdias,
si vous faites pas partie d'une de ce système-là, de secte, de loge, appelez-le comme vous voulez, hein, il se passe beaucoup de choses. Hein. Il y a les rituels de passage, ces rituels posent problème, parce que c'est des orgies, c'est quelquefois ça va plus loin que les orgies, hein, il y a vraiment des choses répugnantes, que ce soit sur des cadavres ou des corps humains. Voilà, alors là, ce qu'elle nous fait croire, donc la manipulatrice, j'ai vu aussi, alors c'est qui a dit, tiens, Gérald Lacoste a dit Barack Obama c'est un franc-maçon, j'ai vu une vidéo où il demandait au peuple français de voter Macron, bien entendu, c'est Barack Obama est franc-maçon, qui n'est pas franc-maçon, en tout cas, qui n'est pas franc-maçon, qui est élu quelque part et n'est pas franc-maçon, c'est une évidence. Alors, et de même que Trump, beaucoup ne s'en aperçoivent toujours pas, il est comme Bolsonaro, il est comme Salvini, il est comme Guaido, que justement Trump essaie d'installer avec Macron, comme par hasard, au Venezuela. Tous ces gens-là, c'est franc-maçonnerie, sionisme et compagnie. Alors, voilà ce qu'elle a mis sur Instagram. Elle l'a mis, elle l'a pas mis, hein, ça c'est les community managers. D'ailleurs, on va parler du community manager de Macron, hein, qui a mis le community manager de Macron. Regardez, donc c'est ça ce qu'elle a partagé comme SMS avec sa mère. Elle avait vraiment besoin de publier ça pour qu'on le voit. Donc elle lui dit je pense que tu as été au Grammys. Elle lui répond ici, donc Michelle Obama, je suis assise avec Valérie et ce que tu cries c'est bien toi, tu l'as regardé. Et donc la mère, elle dit je l'ai su parce que Gracie m'a appelé. Est-ce que tu as rencontré une des grandes stars, ou est-ce que tu es parti directement après y avoir été? Et donc elle lui dit, mais je t'ai dit que j'y suis actuellement. Bon, c'est ridicule, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'on met ici? Tiens, regardez. Sur ce message sur Instagram, 2 479 990 j'aime. C'est incroyable. Bon, j'ai tellement d'informations à vous transmettre, je doute que la nuit nous suffise. Alors je vais essayer d'accélérer pour quand même passer celle sur Macron. Vu que là, apparemment, j'ai la CIA, tout le monde, les trolls, Stéphane Collin, j'ai tout le monde qui n'aime pas mes lives, qui n'aime pas les informations que je diffuse, alors je vais les diffuser. Alors vous avez vu, hein, que les exfiltrations se multiplient, hein, tout à l'heure, merci Corinne d'avoir partagé ça, les exfiltrations, hein, parce que là on a exfiltré Alain Juppé pour le mettre au Conseil constitutionnel, eh bien il y a ça. Il y a sa comparse, hein, qui traîne toujours avec lui, hein. Virginie Calmels, hein. Donc qui aussi elle pourrait rendre, elle a dit qu'elle rendrait son mandat d'élu en même temps que Alain Juppé, parce que elle est première adjointe donc de Juppé à Bordeaux, à la mairie de Bordeaux. Bon, ces gens-là, effectivement, ils ont un rôle à jouer et après ils sont exfiltrés. Regardez un peu ce qui se passe avec Valls, hein, il n'en a rien à foutre.
de son siège de député. Il est parti jouer un rôle en Espagne, en fait, pour échapper à la tempête médiatique en France. Que ce soit Juppé ou Virginie Calmels, ou que ce soit Bayrou qui a été exfiltré déjà bien avant, enfin tous ces gens-là qui représentent un peu le centre ont aidé activement à l'élection de Macron. Voilà, ces gens-là du centre, et que là on est en train d'exfiltrer, de leur donner autre chose à faire, de les sortir des projecteurs médiatiques. Alors, on va se mettre. On va se mettre donc sur l'affaire de la Ligue du LOL, ce conglomérat de journaleux qui ont harcelé impunément sur Twitter pendant longtemps. Et on apprend donc que. Qu'il y a un certain donc Mathieu Géniol qui en faisait partie, sauf que ce Mathieu Géniol, comme je vous l'avais annoncé, eh bien il était le community manager, c'est-à-dire celui qui s'occupe des comptes de réseaux sociaux d'un certain Emmanuel Macron. Alors, les preuves sont là. Voilà, je vais vous mettre les preuves. Hop. Je vous mets ça à l'écran. Donc, regardez. Donc voilà, ça c'est les tweets qui ont été supprimés ce dimanche en catastrophe. Et vous voyez, il est en tête, c'est lui là. Il a supprimé presque 400 tweets hein, en panique, donc ce week-end. Parce que justement, il est dans la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, encore une fois, qui a harcelé pendant longtemps. Et donc c'est Mathieu Géniol, je vais vous le mettre à l'écran. Là c'est lui, Mathieu Géniol. Regardez, c'est son compte là, il dit lui-même donc qu'il est. Alors, où est-ce que je suis? Moi, je n'arrive plus à trouver où je suis. Voilà, je suis là. Hop. Regardez, c'est lui donc sur Twitter, et il écrit ex-community manager d'Emmanuel Macron, il met son lien LinkedIn. Voilà, on va voir, donc on va aller sur son compte, hein. On ira sur son compte.
on ira sur son compte. Donc là, c'est tout à l'heure, c'est ce que je vous ai montré. C'est le mouvement de panique, non, c'est pas ça. Voilà, le mouvement de panique de la Ligue du LOL. Donc tous ces gens-là, lui en tête, font le ménage dans leurs tweets. Donc il avait fait un témoignage il y a longtemps où il avait un peu nié le harcèlement de femmes. Après il était revenu sur ses déclarations. On va aller donc maintenant sur son compte Twitter et regarder. Regardez ce que cet homme, il nous fait la leçon. Regardez les liens et regardez ce qui précipite donc les démissions en chaîne chez Macron. Là, il dit méthode de facho, vraiment dégueulasse. Vous savez, par rapport à Richard Ferrand qui aurait soi-disant subi. C'est Richard Ferrand qui parle. Rien ne justifie les intimidations. Rien ne justifie les violences et les dégradations. C'est une, j'ai envie de dire, presque une cabane, cette maison, où vous voyez qu'il y a presque rien qui a brûlé, hein, parce que on a jeté quelque chose à l'intérieur. C'est pas comme si la baraque a explosé. Hein. Enfin bref, déjà qu'elle était pas mal fatiguée, la baraque. Et donc là, lui, celui-là, direct, ça y est, le Mathieu Géniol, hein, qui fait partie de la Ligue du LOL, qui harcèle des gens, beaucoup de gens, sur Twitter et un peu partout. Regardez comment il nous fait la leçon. Méthode de facho, vraiment dégueulasse. Hein. Ils sont toujours, en toute façon, des donneurs de leçons à ces gens-là. Et tiens, regardez. Celui-là, il lui répond « Et tu t'y connais en méthode dégueulasse ?» On va regarder les réponses. Celui-là, il lui dit « Déjà se vanter d'être community manager, manager de rien, et de l'avoir été pour Macron, en plus d'être un has-been, avoir harcelé des gens, ne pas être intellectuellement capable de savoir que tous mes faits numériques laissent toujours une trace, vous êtes un sacré concentré de tard quand même. » Donc voilà, heureusement qu'il y a encore un petit peu internet, parce que sinon... Là, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Celui-là, il dit, je pense que tu devrais la fermer quelque temps. Il lui met une capture par rapport au soi-disant incendie criminel. Là, la capture, on peut lire, le manque de témoins complique l'enquête. D'après Jean-Philippe Recapé, personne ne semble être entré dans le domicile pour y déclencher l'incendie. Si quelqu'un avait vraiment voulu que tout s'embrase, il lui suffisait de jeter la torche à travers la vitre, précise-t-il. Donc voilà, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, qu'il n'y a pas de témoin, que personne n'a rien vu, parce que celui qui a fait ça, il n'a pas perdu de temps à entrer là-dedans, il a jeté sa torche et s'est volatilisé. Et personne ne l'a vu. Ouais, oui, tu es un loser. Tu es un loser. Celui-là, il dit « Tentative de fraude à l'assurance. Pas si étonnant quand on connaît Ferrand et ses casseroles comme les mutuelles de Bretagne. » Bah oui, parce que Ferrand, il y a eu un tour de passe-passe immobilier entre lui, sa femme... les mutuelles qu'il présidait, qu'il a fait beaucoup de choses en leur nom. Donc voilà, ce Mathieu Géniol qui a harcelé et que je ne me prive pas de dénoncer. Voilà le fameux Mathieu Géniol. Alors voilà, il est obsédé par l'Ukraine, il trouve que c'est facho, mais lui, il n'a
aucun problème. Voilà, il trouve que c'est pas bien, qu'on s'attaque à Macron. Voilà. Bon, alors, dernier élément, et non des moindres, le plus important, mes amis, regardez. Comme ça, vous êtes certains de savoir qui est cet homme. Regardez, c'est extrêmement important. Je vous avais montré la dernière fois un câble donc qu'on a reçu dans les Macron Leaks. Eh bien, regardez, il y a beaucoup de choses dans les Macron Leaks. Hein. Merci Wikileaks. Merci, moi je les ai. Hein. Regardez ce qu'on peut trouver. Donc là, l'expéditeur, ah bah c'est comme par hasard, mais c'est le fameux Ismaël Emelien qui a démissionné précipitamment et qu'on essaie de nous faire croire que c'est parce que il s'entend pas avec Brigitte. Mais non, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'il a fallu débrancher en catastrophe ces gens-là. Donc voilà. Il a envoyé donc un mail le 7 juillet 2015. Il a mis, donc c'est à Stéphane Séjourne, et il a mis en copie, donc, entre autres, Géniol Mathieu, et regardez, pas uniquement, hein, Géniol Mathieu, il était, vous voyez, il a une adresse au ministère des Finances, hein, avec Macron, qui était ministre de l'économie, hein. Oui, il a une adresse officielle. Et regardez, hein, ça c'est intéressant de voir tout ce beau monde, parce que Sibeth Ndié, elle est très présente autour de Macron. Hein. C'est elle, avec Mounir Majoubi, qui s'occupe de tout ce qui est images, communication, et aussi qui fabrique pas mal de fake news. Hein. Regardez, elle était déjà en copie. Donc ces gens-là, ils peuvent pas... Ils peuvent pas dire qu'ils connaissaient pas Mathieu Géniol. Voilà. Et puis après, ça fait des leçons sur le harcèlement contre les femmes. Après, ça fait des leçons de féminisme. Elle est où ce qu'il n'y a pas, hein? Où est-ce qu'elle est ce qu'il n'y a pas? Où est cette ce qu'il n'y a pas qui écrit des livres intitulés Les filles bien n'avalent pas? Où est ce qu'il n'y a pas? Moi, je le demande. Hein. On la voit plus tellement, en tout cas, quand on la voit, elle parle de tout, sauf de ce qui est gênant. Elle ne parle pas de ces sujets-là. Voilà, mes chers amis. Alors, est-ce que j'ai le temps, parce que là, c'était les deux sujets principaux, est-ce que j'ai le temps de parler d'autre chose, parce que, vraiment, là, on a beaucoup avancé dans la nuit. Alors, sachez, vous l'avez su, qu'il y a un certain Chokri Vakrim, ex-membre des forces spéciales, qui aurait fait disparaître le coffre d'Alexandre Benalla, et donc qui est convoqué vendredi, c'est-à-dire demain, à la brigade criminelle. Mais ce qu'on apprend, c'est que, mes amis, c'est que les enquêteurs pourront pas l'interroger sur certaines choses. C'est rigolo, hein, c'est marrant. Entre autres, eh bien, sur le coffre. Ils n'auront pas le droit de lui poser des questions sur le coffre. S'agit-il donc de Chokri Vakrim qui a aidé à faire disparaître le coffre, qui est parti donc chez Alexandre Benalla pendant que Alexandre Benalla était donc interrogé et qu'il a menti, qu'il a dit qu'il avait plus les clés de chez lui, que c'est sa femme qui est partie avec, où est-ce qu'elle est partie, j'en sais rien, elle a peut-être quitté le pays alors que l'autre elle était dans le 16e arrondissement, et que au final les policiers cherchent un bélier pour aller faire la perquisition chez Alexandre Benalla, et bien comme par hasard il y a une main divine, invisible, qui fait que les enquêteurs, ils ont appelé les commissariats aux alentours, les commissariats, ils leur ont répondu « Ah non, j'ai pas de bélier là ce soir, il est occupé le bélier, j'ai pas, appelle demain, je te donnerai. » Et les enquêteurs, ils n'ont réussi à avoir un bélier, ils sont partis le chercher, ils n'ont réussi à avoir un bélier que justement le lendemain matin, et lorsqu'ils sont arrivés, eh bien, il n'y avait plus de coffre-fort.
Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toute cette affaire qu'on s'interroge. Et donc là, s'agit-il de Chokri Vokrim qui a fait disparaître ce coffre-fort? Si oui, ce même homme est-il revenu pour faire disparaître le coffre? Donc à cette question, les enquêteurs de la brigade criminelle ne pourront pas lui poser cette question. Depuis le déclenchement de l'affaire, en effet, le parquet de Paris donc refuse obstinément de permettre aux juges d'instruction et à la police judiciaire d'enquêter sur ce point. Une position que franchement, elle est inexplicable. Nous, on arrive un petit peu à imaginer hein, qui est derrière ça, mais ça devient de plus en plus intenable. Maintenant, on va ouvrir la parenthèse. Spéculation, je vais vous donner donc une rumeur qui est sur le sujet, sur ce sujet, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-fort. Donc la rumeur, ce serait que il y aurait au moins, parce qu'on sait qu'il y avait des armes, mais il y aurait au moins une des armes utilisée pour commettre l'attentat du Bataclan. Eh oui. Cette rumeur qui fait disparaître tout un coffre, elle a l'air vraiment d'être très de plus en plus imposante, on va dire. Hein. Voilà. Je rappelle que le dossier Bataclan, je vous l'ai préparé, mais que franchement, tous les soirs, j'essaie de traiter l'actualité immédiate. Et donc, voilà. Je n'ai pas le temps de le faire. Alors, je voulais vous dire quoi d'autre. Alors. Donc, sachez, bon, bah, des informations en bref, que la France refuse un visa à des Cambodgiens, pourtant convoqués par le tribunal de Nanterre. Pour témoigner contre Bolloré, contre Monsieur Industrie dans la France-Afrique, contre Monsieur Pillage, contre Monsieur Canal+, contre Monsieur Hanouna, Monsieur C8, contre Monsieur Pascal Prod, Monsieur CNews, contre voilà, ce monsieur-là, Bolloré, il y a des Cambodgiens qui sont convoqués par le tribunal de Nanterre pour témoigner contre lui, et que la France, le pays, ce grand, très très grand pays des droits de l'homme, leur refuse un visa pour justement répondre à la convocation du tribunal de Nanterre. Ça me fait penser à la même chose concernant le père de Mohamed Merah. Et oui, figurez-vous que le père de Mohamed Merah n'arrive pas à obtenir pareillement un visa pour venir parce qu'il a porté plainte en France contre les services de l'État pour éclaircir la situation de la mort de son fils, parce que c'est extrêmement troublant. Il y a des enregistrements qui font croire que la version officielle est fausse. Et donc il a porté plainte, et il n'a pas le droit de venir sur le sol français, le père de Mohamed Merah, pour justement suivre l'affaire de son fils, etc. Déjà c'est incroyable, vous voyez bien, voilà un père qui, malgré que ses enfants ont grandi en France avec la mère, a été privé de venir voir la garde de ses enfants, de venir voir ses enfants, et voilà, il a été écarté de l'éducation de ses enfants, comme votre serviteur. Moi je me bats pour mes deux enfants, je les vois pas, et quand vous voyez la fin, hein, la fin tragique de ces deux enfants, donc vous en avez un qui est mort et qui aurait donc commis des faits désastreux, abominables, inqualifiables, et le frère qui est incarcéré parce que il aurait aidé, hein, même s'il a rien fait le frère, mais ils ont supposé que
Voilà, vu qu'il pourrait balancer des choses graves sur l'affaire, bon bah ils le tiennent au chaud là maintenant, ça fait pas mal d'années quand même, hein. Mais ça, c'est quand même, c'est aussi en continu, hein. C'est la France des droits de l'homme, c'est la justice irréprochable, des magistrats qui sont pas du tout, mais alors là, pas du tout francs-maçons. Voilà. Tiens, regardez ça. Je crois que je vais finir sur ça parce que. Regardez ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez ce discours anti-gilet jaune de cet homme. Alors. Donc, c'est l'or. Alors, je vous mets la vidéo. Allez, je vais vous lire. Hop, allez, je vous mets ça. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Alors, ça, vous devriez voir. Ça, c'est énorme, les amis. C'est énorme. Regardez ça. Donc, lors d'une conférence destinée aux étudiants VIP de Polytechnique, donc cet homme. Ah, ça va vite. Alors, attendez, on va faire pause. Il faut que je vous lise ça. Donc, cet homme, Laurent Alexandre, fondateur de Doctissimo. Hein, vous êtes beaucoup à aller sur Doctissimo. Transhumaniste convaincu, chroniqueur dans Le Monde, bien entendu, hein, pour pas changer. L'Express, mais oui. Et influent soutien politique du gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Lors d'une conférence destinée aux étudiants VIP de Polytechnique, ce dernier affirme carrément que les gilets jaunes, qu'il appelle les inutiles, sont des êtres intellectuellement inférieurs, incapables de comprendre les enjeux du monde actuel, tandis qu'heureusement, les élèves des grandes écoles, les dieux, hein, ils les appellent les dieux, les gilets jaunes, c'est les inutiles, et les élèves des grandes écoles, c'est les dieux, sont là pour diriger les masses et les guider vers la raison. Tout ça, bien entendu, là, dans la vidéo, sans aucune protestation, dans la salle. Au passage, aucune, il y a un N de trop, mais bon, c'est pas le plus intéressant. Quand vous voyez, quand vous vous dites que c'est des gens comme ça qui nous dirigent, ça craint vraiment. Et après, ça vient nous faire des leçons d'antisémitisme, d'antiracisme, des leçons de vivre ensemble, des leçons de respect de l'autre, des leçons de lutte contre le harcèlement, des leçons de paix, des lois soi-disant pour contrer les appels à la haine. Voilà. Allez, on va regarder les amis. Du monde qui vient. Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Ça ne veut pas du tout dire que je suis favorable à supprimer le droit de vote et que je suis favorable au retour au suffrage censitaire. Mais je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Je pense que c'est vous, les scientifiques et intellectuels de demain, qui vont avoir la responsabilité de gérer un monde ultra compliqué, très fragile d'un point de vue politique. Car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez
les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer. Entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et c'est vous qui la résolverez. Pour le faire court, l'intelligence artificielle lamine les petites classes moyennes et les gilets jaunes dans les décennies qui viennent avant de guérir le cancer. Les effets négatifs sur la démocratie des technologies dont on parle vont préexister aux avantages, notamment médicaux, que ces technologies vont apporter. On a la crise des gilets jaunes avant que l'IA ne permette d'accélérer la guérison des cancéreux. Ce problème de décalage entre les avantages et les inconvénients de la technologie va être un grave sujet pour les décennies qui viennent, et c'est vous qui allez porter ces enjeux. L'intelligence artificielle dite faible, c'est-à-dire la vraie intelligence artificielle d'aujourd'hui, pas celle de la science-fiction, vont valoir de plus en plus cher, et ceux qui sont substituables vont valoir de moins en moins cher. La théorie des fonctions de production nous apprend ça de façon certaine. Pour le dire autrement, le prix de l'heure de travail des gilets jaunes sur le marché mondial va s'effondrer de décennie en décennie. Et le prix horaire des gens dans cette salle va monter de décennie en décennie. Parce que vous êtes les complémentaires, les complémentaires de l'intelligence artificielle faible. Et les autres sont substituables. Nous ne sommes en aucune façon capables d'absorber le choc technologique. Vous, dans cette salle, bien évidemment, oui. Et l'ensemble de la population, non. Ces technologies sont en train de créer une vraie différence entre les œufs en or, vous, et les autres. Et je disais tout à l'heure que vous avez une responsabilité historique. Des dieux et des inutiles, la vision politique d'Harari est en réalité un cauchemar politique. Et la crise des gilets jaunes est salutaire. Elle nous montre à quelle vitesse nous sommes en train de rentrer dans le cauchemar d'Harari. Et à quelle vitesse il va falloir agir pour casser ce déterminisme technologique. L'intelligence artificielle et ces technologies-là vont aussi avoir une autre conséquence. C'est que pour éviter d'avoir une crise des gilets jaunes pendant 100 ans, certains proposent qu'on utilise les technologies transhumanistes pour faire du neuro-enhancement, pour augmenter le cerveau des gens moins favorisés. Elon Musk, qui craint surtout les IA fortes, hein, ce qui n'est pas mon cas, je ne pense pas une seconde que le deep learning puisse conduire à des intelligences artificielles fortes hostiles dans les 50 prochaines années, mais c'est le fantasme d'Elon Musk. Elon Musk a donc créé Neuralink, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est destiné à faire de l'augmentation cérébrale et donc à transformer les gilets jaunes en normaliens. Cette vision de la Silicon Valley et de la Chine de fusionner l'éducation, la santé, l'IT, les neurosciences pour régler la crise chez nous des gilets jaunes et les crises populistes ailleurs est une tentation qui va être de plus en plus forte dans les décennies qui viennent. Et je partage là-dessus l'opinion d'Harari. Il va être très compliqué d'empêcher les politiques de faire de l'eugénisme positif quand la technologie le permettra. Dieu et les inutiles, récemment, le patron de Google, Sundar Pichai, a fait une confession dans The Guardian, et il a dit « Je ne suis pas du tout sûr que la société, que les hommes sont que ça aille aussi vite. » Et c'est une vraie question. Est-ce que nous n'avons pas dépassé la capacité d'absorption économique, psychologique, éthique de la société ? Notre résilience est-elle capable de supporter ce tsunami ? La vôtre, oui. Mais la France des gilets jaunes, je n'en suis pas du tout prêt. Les élites se moquent beaucoup des gilets jaunes, ce que je trouve personnellement inacceptable. Notamment ce dessin très drôle, mais qui me semble particulièrement dégueulasse. Je ne pense pas qu'il faille se moquer des gens moins doués que vous. Je pense qu'il faut les aider.
Nous devons créer une société de solidarité intellectuelle. C'est la première urgence. L'urgence n'est pas de devenir immortel. C'est d'éviter de multiplier les gilets jaunes. Bon, ça se passe de commentaires. Hein. Les gilets jaunes, nous sommes les inférieurs, et eux, au moins ils le disent, hein. Eux c'est nos dieux. Et quand je vois qu'il y en a encore qui vont aller chercher dans le monde, qui vont chercher chez les Khazars ou que sais-je de quelle théorie encore, regardez, c'est sous vos yeux. Ils vous disent que eux c'est les dieux et que nous sommes des inférieurs. Elle est là la caste. C'est sous vos yeux. Tiens, ça c'est génial. Je vais vous balancer, mes chers amis, des informations hein, très très rapidement. On va aller très très vite. On va aller très vite. Alors, il y avait le sondage. Alors, attendez. Donc, bon, très rapidement, Trump déclare donc l'état d'urgence pour rediriger des fonds pour la construction. Continuer la construction du mur tout le long du Mexique. Donc il déclare rien que pour ça l'état d'urgence pour pouvoir faire passer donc ces fonds. Alors est-ce que je me suis mis... Oui, je me suis mis à l'écran. Ensuite, il y a un médecin, donc là on voit cette information aux Pays-Bas, il y a un médecin qui est soupçonné d'être le père de 200 enfants. Voilà la société... qui nous attend, hein, si vous ne l'avez pas encore compris. Donc dans ce contexte de parent A, parent 1, parent 2, je vous avais parlé hein, de ce désastre de la loi Taubira qui était passée soi-disant pour les droits des homosexuels. Ça comportait beaucoup d'arnaques. Hein. Donc ce serait cet homme qui est père de 200 enfants. Quand on voit que il trouve des gens... En plus, enfin, des femmes pour faire de belles photos, c'est un médecin donc qui est soupçonné d'être père de 200 enfants après une insémination artificielle. Voilà le monde qui nous attend, des femmes qui vont servir de ventre. Enfin, ça me fait penser un peu au bétail, hein, vous savez, c'est exactement la même chose hein, dans le monde des vaches. Eh bien, vous avez un taureau, hein, qu'on va masturber. Hein. Ceux qui n'ont jamais vu de documentaire, allez regarder. Hein. Ils utilisent, ils prennent un grand récipient, une espèce de fiole, ils le masturbent et après ils inséminent. Hein. Ils inséminent les vaches. Hein. Ça, c'est ainsi. Hein. C'est ainsi. C'est désastreux. C'est flippant. Le monde. Dans lequel on est jeté comme ça en pâture, nous les gilets jaunes, comment il disait, inutiles, voilà, nous les gilets jaunes, le bétail inutile, comment nos dieux, ils nous jettent en pâture. Tiens, alors où est-ce que je vous ai perdu, vous êtes là, voilà. Alors. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc c'est, alors c'était un, c'est un sondage donc qui est passé sur, bon regardez, 14 partis politiques lancent un appel contre l'antisémitisme, bien sûr. Bon, regardez cette image. Elle est frappante. Donc là, il y a plus de 300 donc, immigrés
illégaux qui sont enfermés dans des centres de rétention, donc dans le Nouveau-Mexique. Hein, c'est pour ça que, comment il s'appelle, Trump, il fait des mains et des pieds là pour accélérer son mur. Il sait plus comment retenir. Mais bon, il faut choisir. Déjà, tu vas créer des guerres et des déstabilisations un peu partout, y compris la dernière en date au Venezuela. Tu t'attends à quoi après? Regardez cette photo. Voilà. Donc ça, il y avait un truc trop marrant. Donc d'après un média allemand, les frappes françaises au Tchad qu'Emmanuel Macron, qui est Emmanuel Macron a ordonné, ne risque pas de mettre fin à la France-Afrique. Hein. Pourtant, Macron n'arrête pas de soi-disant le faire croire. On apprend aussi que Donald Trump s'est fait installer un simulateur de golf pour 50 000 dollars à la Maison Blanche. Donc ça, c'est des informations en bref. On apprend aussi que quatre gilets jaunes, dont Jérôme Rodrigue, portent plainte contre le préfet de police de Paris. Regardez pour la Saint-Valentin, il y a un aviateur qui a dessiné un cœur dans le ciel. C'était où ça? À Lyon. Donc regardez, c'était à Lyon. Il y a un aviateur, il a réussi à dessiner ça. Voilà. Alors ça, ensuite, bon malheureusement, je n'arrive pas à trouver ce que je veux, mais c'est pas grave. Donc il y avait un sondage, comme d'habitude pourri, de BFM VC. Je n'arrive pas à le trouver. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc on apprend que il y a un jeune homme de 20 ans, domicilié à Pau. Donc, il a été interpellé pour avoir diffusé sur Facebook des manifestations, avec des attaches tarbaises. Donc, est-ce que ce serait pas le jeune homme qu'à chaque fois il nous diffuse des lives nocturnes et qu'on a perdu ses lives dernièrement? On va regarder l'article. Le pouvoir panique, le pouvoir. Arrête en masse, le pouvoir emprisonne, le pouvoir, les condamnations se succèdent hein, et c'est toujours les mêmes. Alors regardez. Voilà. Alors. Il a été identifié comme étant le diffuseur sur les réseaux sociaux de manifestations, l'ont déclaré
dans le cadre du mouvement du Gilet jaune. Deux de ces manifestations l'ont déclaré, le 1er décembre et le 5 janvier avaient abouti à des violences et à des interpellations. Maintenant, vous faites pas une manifestation non déclarée, le simple fait de les filmer, ça vous vaut d'être interpellé à votre domicile, hein, et d'être interrogé, inculpé. Ce jeune disposait de plusieurs profils sur les réseaux sociaux qui lui garantissaient l'anonymat, jusqu'à ce que les policiers remontent à sa trace, Il a reconnu les faits et fera l'objet d'une comparution devant le délégué du procureur pour une composition pénale. Génial. Le grand pays des droits de l'homme. Il est là. Il est là. Nous vivons dedans. Nous vivons dedans. Alors là, si vous allez manifester, enfin, si vous allez filmer, vous sortez de chez vous, vous filmez parce que vous voyez des gilets jaunes, on va venir vous interpeller chez vous, quoi. C'est énorme, c'est insupportable, c'est incroyable. Ils savent plus comment faire. Quand je vous dis, ceux qui disent que c'est calculé, etc., vous voyez bien que ça les dépasse. Ils savent plus comment faire, hein, pour arrêter les samedis des gilets jaunes. Ils sont en panique totale. Ils sont en panique totale, les masques tombent, leur fin est en train de sonner, ces manipulateurs. Alors, il y avait quelque chose que, bon, bah, que je ne trouverai pas, mais tant pis. Je vais vous mettre... Vous avez vu le hasard qui fait bien les choses. Tout le monde porte plainte en même temps. Maxime Nicole, donc je vous l'avais annoncé, lui porte plainte après la manif de Toulouse. Quatre gilets jaunes dont Jérôme Rodrigue porte plainte lui du coup contre sur Paris. Voilà, c'est. C'est toujours ce hasard douteux, hein, qui fait quand même bien les choses. Alors, les amis, je vais vous mettre, on va s'arrêter là-dessus. Ah bah tiens, regardez. Donc regardez ce que ça fait une grenade, hein, comme celle qui a déchiqueté des mains. Regardez ce que ça peut faire. Il y a une vidéo. Hein. Il y a une vidéo, donc c'est une grenade qui a été récupérée sur la ZAD, il me semble. Alors. Regardez ce que ça peut faire. Donc c'est beaucoup plus loin que 50 cm. Ces grenades-là, les GLI F4, contiennent 25 grammes de TNT. Regardez, c'est expliqué. Je vais peut-être couper le son. Vous savez, ça arrange pas. Allez, regardez. Voilà, elle a été trouvée sur la ZAD, comme je vous disais. Vous n'avez pas eu le sang. Vous avez vu ce que ça fait ?
Alors, je suivais un peu ce que vous écriviez. Gildas. Oui, c'est une arme de guerre. Carrément. Alors, tu parlais de quelle info, Gildas? Parce que peut-être je pourrais la trouver rapidement, la source que j'ai donnée. Peut-être que si ça me demande de revenir en arrière, je pourrais pas la trouver. Dis-moi laquelle. L'arrestation à Tarbes? Laquelle? Ah oui. Tu flippes grave dans les manifs et bah je te comprends, hein. Alors. Ah, ça m'énerve. Ce que je voulais vous montrer, c'était trop marrant. Je ne trouve pas. C'était un faux sondage. Eh bien. Tiens, il est là. Il est là parce que ça. Alors, ce sondage, il fait suite. Il fait suite donc aux manipulations de BFMVC. En plus, BFMVC, ils s'étaient trompés. Je pensais avoir gardé ça. Eh bien, malheureusement, c'est dommage. Non, je ne l'ai pas gardé. Donc c'est pas grave. Regardez. Ça m'a fait rire ce sondage. Ah bah voilà, je l'ai trouvé. Allez, génial. Je l'ai trouvé. Regardez. Un peu ce sont deux sondages. Alors le premier, c'est de BFM TV pour commencer. Regardez ces manipulateurs de BFMVC. Alors, la source de on filme une manifestation non déclarée, on est interpellé à domicile. Je te remettrai l'article. Je crois que c'était la dépêche. Je te mettrai l'article à l'écran pour que tu feras une recherche. C'est assez. Quand on a le nom du journal et qu'on a le début du titre, en faisant une recherche sur Google, ça sort tout de suite. Je te remettrai ça, cher ami, cher Gildas. Je te remettrai ça. Allez, d'abord, on traite ça. Regarde ça. Regardez ça. Donc, c'est BFMVC hein, qui dit, selon un sondage Elab, je vous rappelle que le fils Sébastien Ozière, le fils à Brigitte Macron, qui a un an ou deux ans de plus que son autre fils, non pardon, son mari Emmanuel Macron, eh bien il est passé par Elab. Et donc selon un sondage Elab pour BFM TV, pour la première fois depuis le début du mouvement, 56% des Français estiment que la mobilisation des Gilets jaunes doit s'arrêter. Mais ils font tout depuis le début pour nous faire croire que les Français, je veux dire, c'est pas nous, parce que nous voulons tous que ça continue, mais apparemment il y a des Français qui parlent à notre place et qui disent que non, il faut arrêter le mouvement. Nous voulons tous que ça continue, mais bizarrement. Et alors, ils mettent 7 jours BFM, c'est leur machin là, BFM TV vous donne la parole pour que les gens votent sur Twitter du coup, pour voir si. Et regardez, c'est pas du tout le même résultat que leur machin Elab. Estimez-vous que le mouvement Gilets jaunes doit cesser? Eh bien, c'est non à 52%. Alors que eux, leur sondage, leur faux sondage, ils donnent 8 à 56%. Vous voyez? C'est complètement inversé. Hein. Et là, en plus, ça vote, il reste encore un jour pour le vote. Ceux qui arrivent juste avec la capture là, d'écran à aller choper donc ce tweet. Et à foutre des votes non,
parce qu'il reste encore un jour, n'hésitez pas. Alors, ceci me permet donc de vous montrer ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est vraiment trop marrant. Regardez ça, c'est trop marrant. Donc c'est quelqu'un, Merlin, qui a créé une pétition. Regardez la pétition. Faut-il interdire une manifestation gilets jaunes violente pour l'acte 14, donc à venir. Et il rajoute, donc il tag Ligue du LOL, hein. J'en ai assez parlé de Ligue du LOL, hein. C'est ces journaleux organisés en meute pour harceler. Il tag violence policière, il tag, bon voilà, tous les enfoirés, CGT, France Insoumise, LBD, Macron. Et lui, il fait comme BFM TV, c'est-à-dire qu'il pose la question à sa façon. Il dit « Faut-il faire une manifestation violente ?» Et il a posé comme choix « Dégradation matérielle, donc 6%, 13% pour violence policière, 44%, hein, c'est ce qu'il gagne, pour de la peinture jaune sur le bitume, et 37% propose d'aller occuper le MEDEF. » Moi, si je pouvais rajouter, c'était « Bloquer les merdiers ». Voilà, ça m'a fait... c'était sympa. Ça m'avait fait rire. Mes chers amis, est arrivé le moment. Je pense que ça fait une belle vidéo, en tout cas en ce qui concerne sa longueur. Je vais vous saluer. Hein, je vais vous saluer. Je suis désolé. Hein, je ne pourrai pas. Ah, attends. Je t'ai promis, Gildas. Tiens, je t'ai vu là à l'instant. Je t'ai promis. Je vais te remettre l'article. Alors. L'article. Où est-ce que c'était déjà? Alors. C'était pas là. C'était pas ici. Voilà. C'était pas là non plus. Où est-ce que je l'avais rangé, cet article? Où est-ce que je l'avais rangé? Alors, on va regarder là. Non. Alors, peut-être je vais regarder dans l'historique. Peut-être regarder dans mon historique. Mes chers amis, je vais vous donner une information très urgente, très importante. Donc Christophe Chalençon annonce que des paramilitaires sont prêts à soutenir les gilets jaunes pour renverser militairement le pouvoir. L'interview a été donnée en caméra cachée. On va la regarder, mes chers amis. Allez, non, c'était pas prévu, c'est tombé, on va la regarder. Je sais que je... On va regarder. Ok.
Je sais que je risque beaucoup là. Moi je peux me prendre une balle dans la tête à n'importe quel moment, mais j'en ai rien à foutre. J'irai au bout de mes convictions. Parce que s'il me... Beaucoup là. Moi je peux me prendre une balle dans la tête à n'importe quel moment, mais j'en ai rien à foutre. J'irai au bout de mes convictions. Parce que s'il me... Macron, il a peur, je te le dis. C'est pour ça que je te dis qu'il a peur. Très, très peur, Macron. À mon avis, les coupures de sang, ça a été fait volontairement pour que la vidéo ne soit pas censurée. Mais vous voyez bien, la traduction, elle est en italien en bas. Et bon, ben voilà. Il dit qu'il y a des paramilitaires qui sont prêts pour l'aider. Donc, il a été piégé en plus. Je ne sais pas s'il est très d'accord pour que cette vidéo soit diffusée comme ça. Il y a eu 44 policiers morts après un attentat en Inde. Une voiture bourrée d'explosifs, donc... a explosé. Alors, pour ton article, on va finir là-dessus. Alors, si je le trouve pas, tu rebrousseras, tu remonteras, tu remonteras le replay. Hein. Je l'ai mis à l'écran l'article. Moi, il me semble que c'est que c'était. Alors, attendez. Est-ce que je l'ai dans l'historique ici? Alors je vais aller voir si je ne le trouve pas dans mon historique. Alors. Ah bah c'est bon, je te l'ai. Je te l'ai, c'était la dépêche. Je l'ai. C'était la dépêche. Tiens, je te mets ça à l'écran. Et comme ça, tu pourras voir le titre de l'article. Et à partir de là, c'est un jeu d'enfant pour le trouver, mon cher Gildas. Allez, voilà, Gildas, tu le vois bien là. Le journal, c'est la dépêche. L'article, c'est Tarbes, interpellé pour avoir diffusé sur Facebook des manifestations de gilets jaunes non déclarés. Si tu tapes ça, il sortira l'article. Tu tapes la dépêche, Tarbes, interpellé. Normalement, c'est suffisant. La dépêche, Tarbes, interpellé. Google te le sortira. Voilà, mon cher ami. Chose promise, chose due. Voilà. Allez, mes amis, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Malheureusement, uniquement ceux qui sont présents, parce que vraiment, je suis KO. Alors, les personnes qui sont présentes, enfin, ceux que j'arrive à lire, je vais voir, donc, si il y a d'autres réseaux. Tiens, Élise QT sur VK, bonsoir et bonne nuit. Voilà, ça c'était le réseau VK.
Donc je mettrai la capture des menaces de ce nouveau troll. Je le mettrai avec les autres captures que j'ai mis avec toutes les menaces. Donc bah écoute, t'es parti, c'est pas grave. Il y avait donc quelqu'un, Smauka Hauka, imprononçable sur YouTube. Et ben bonsoir et bonne nuit. C'est pas grave. Tu t'es retrouvé seul, mon pauvre. On était tous. Voilà, en plus tu disais des choses intéressantes. Tu dis il faut être aveugle pour voir que c'est un. Ah, toi tu dis que c'est pas un montage. Bon, bah alors t'as rien compris. Voilà, allez. Maintenant, je vais voir les derniers. Tous ceux qui me souhaitent bonne nuit. Pat Patou! Bonsoir et bonne nuit, cher ami Kevin Keys. Bonsoir et bonne nuit, mon cher ami. Tu vois bien, c'est pas possible que je mette le documentaire habituel sur la franc-maçonnerie. Il y a tellement de choses à dire, mon cher Kevin. Et je passe, il y a plein de sujets que je suis obligé de passer, de pas traiter, qui sont prêts pourtant. Hein. Il y a tellement de choses à dire. Esther Daniel Douce, eh bien, tu es arrivé un peu en retard, mais tu pourras rembobiner. Ce live, ma chère Esther. Bonsoir et bonne nuit, Esther. Très bien, Kevin. Tu as reçu mon message. Merci. Gilbert Chabrol, bonsoir et bonne nuit, mon cher ami. Merci pour ton soutien contre ce on va dire, ce clown. Hein, ce clown, pourtant, avec des cheveux blancs, hein, d'un certain âge. Stéphane. Gilbert Malassiné Tanou, bonsoir et bonne nuit. Marie Zélie, bonsoir et bonne nuit. Pascal Romédi, bonsoir et bonne nuit. Marie-Maurice Patino Moussa, bonsoir et bonne nuit. Qui d'autre? Voilà, Frank Chase, tu as beaucoup participé, merci beaucoup, bonsoir et bonne nuit. Nicole Leroux, bonsoir et bonne nuit. Allez, les derniers, je nomme quelques personnes, parce que beaucoup de personnes sont déjà parties. Hein. Allez, je nomme une dernière personne, et on va couper. Tiens, Adrien Chevillard, bonsoir et bonne nuit. CH Francis, bonsoir et bonne nuit. Adrien, je t'ai vu. Alexandre Looping, bonsoir et bonne nuit. Je ne remonterai pas plus, mes chers amis. Très bien. Allez, je vous souhaite de vous reposer. Je vous souhaite de passer une excellente journée de ce vendredi 15 février. Et on se retrouve bien entendu ce soir comme d'habitude en live ce soir pour justement motiver les troupes pour l'acte 14 qui s'annonce comme d'habitude comme un grand succès. Donc demain samedi, oui c'est ça, c'est demain, mes chers amis. Je vous souhaite donc de vous reposer, de passer une bonne nuit. Et on se retrouve ce soir. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit.